place le nombre 0,6 sur la droite graduée. Alors on a ici une droite graduée et en fait on voit la partie comprise entre 0 et 1 ici. Et cette partie-là, elle est divisée en petites parties. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 10 petits espaces, tous de la même longueur. Donc la partie entre 0 et 1 de notre droite graduée, elle est divisée en 10 petites parties égales. Donc ça veut dire que si je prends n'importe quelle partie, par exemple celle-ci, n'importe quelle de ces petites parties, celle-là, en fait, elle a pour longueur 1 dixième. Hein. 1 dixième. Ça, c'est 1 dixième. De même que cette partie-là aussi... C'est 1 dixième, puisque j'ai pris une partie sur les 10 parties que j'ai ici, entre 0 et 1. Alors maintenant le nombre que je dois placer, c'est celui-ci, 0,6. Alors 0,6 c'est 0 unité et 6 dixièmes. Le 6 qui est ici il est à la place des, des, dixièmes. des dixièmes. Donc en fait 0,6, je peux l'écrire aussi comme ça, c'est 0 unité et 6 dixièmes, ce que je viens de dire, donc c'est 6 divisé par 10, 6 dixièmes, je l'écris comme ça. Alors maintenant, c'est plus facile de voir où est-ce qu'on va le placer, puisque, en fait, là, chaque partie, c'est 1 dixième, et moi, je dois en prendre 6. Donc il va falloir que je voyage, disons, 6 petites parties sur cette droite graduée. Donc je vais le faire à partir de 0, je vais voyager 6 parties comme ça, donc 1, ça c'est 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes, et 6 dixièmes. Donc ici je suis arrivé à 6 dixièmes, c'est-à-dire à, à 0,6.